Thank you.
prier ensemble devant nos cœurs. Le moment est tellement douloureux. Un jour, la famille, les voisins, les amis, tout le monde était dans la joie, car il y avait une nouvelle qui nous aimait, une fille, qui allait se nommer Judith, Ibenge Madina. Et voilà, devant son corps, la famille, les frères, les sœurs, tout le monde est en larmes. Parce qu'il est écrit que chaque chose a son temps, disait Jésus. Celui qui est le souverain, le maître de toutes les âmes, il a dit, j'agirai, et qui s'y opposera. Personne ne peut agir au-delà de la souveraineté de Dieu. Malgré notre douleur, chacun de nous doit se préparer parce qu'il y a un tour pour chacun. Et personne ne peut aller à la place de chacun. Son tour est venu. Je voulais rendre mon témoignage la nuit. Je n'ai pas pu le faire. Mais c'est juste pour dire, ne pensez pas que Judith est morte d'une maladie. Non, elle est morte par rapport à son temps. Je suis celui qui a été le médecin spirituel de cette femme qui vient de me quitter. Je connais. Elle a vu la mort durant tout son temps. Mais la mort n'avait jamais eu accès dans sa vie. Mais parce que son jour est venu, c'est pour cela qu'elle est partie. Il reste toi, il reste moi. Prépare-toi par rapport à ton jour. Après la mort, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, de la résurrection. À tous ceux qui sont qui ont reçu Jésus-Christ, si tu meurs, tu seras ressuscité en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. La mort pour Dieu, la mort pour Jésus ne consiste pas à coucher comme ça dans le cercueil. Mais la mort pour Dieu consiste à passer son éternité en enfer. Parce que ça c'est le corps, mais nous verrons, Judith serait ressuscitée le jour de la résurrection. Car elle a reçu celui qui s'appelle Je suis la résurrection et la vie. Elle sera ressuscitée en Jésus. Nous sommes vraiment en train de passer un moment très douloureux, un moment d'adieu. Qui n'a rien à voir avec le moment de revoir. Nous ne verrons plus jamais notre sœur, notre maman, physiquement, mais le jour de la résurrection, elle sera certainement ressuscitée. Et nous nous le verrons encore. La Bible souhaite à ceux qui meurent en Christ, la Bible dit « Heureux les morts qui meurent en Christ, car ils ne font que reposer leurs âmes. » Et nous serons ressuscités avec l'espoir, l'espérance que nous avons en nous. Là où tu es avec moi, nous n'avons pas de sujet que nous devons donner. Nous connaissons nous tous ce qui se passe. Nous avons tous besoin de la paix qui surpasse toute intelligence, de la paix qui surpasse notre épreuve. Nous avons besoin de prier que la famille soit, que le Saint-Esprit de Dieu console toute la famille par rapport à cette épreuve qui blesse, qui déchire nos âmes. Alors là où tu es, tu vas prier dans ton cœur pendant que je serai en train de prier avant qu'on fasse la levée du corps. Oh. Seigneur, je lève ma voix devant toi, étant le souverain. Le souverain Seigneur, toutes les âmes sont à toi, toutes les âmes t'appartiennent. Père éternel, mon Dieu, sur ton livre a été écrit le jour de la mort de chacun. Et aujourd'hui, Seigneur, toi le souverain, tu avais prévu pour cette dame que tu viens de nous retirer. Seigneur éternel, je sais et je crois que ce que toi tu as récupéré, nous ne l'avons pas perdu. Nous perdons, Seigneur mon Dieu, ce que le diable a volé.
Et nous avons été les témoins de la vie et de la consécration de ta fille et de ta servante, dont nous sommes, Seigneur, devant les corps sans âme, parce que Dieu, tu es passé par là pour lui donner du repos. Nous voulons te rendre grâce, ô Père, qu'il est difficile de te dire merci à de tels moments, mais parce que, Seigneur, nous pleurons en Christ, nous pleurons en toi, Jésus, avec l'espérance de la résurrection, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as permis, Seigneur éternel, que l'âme, Seigneur, de notre maman, de notre sœur, de notre fille, Seigneur éternel, de notre tante, vienne entre tes mains, Seigneur éternel, mon Dieu, tel tu as décidé, ô Dieu. Nous sommes tous confondus, nous sommes tous blessés, Seigneur, mais tu es le roi qui a décidé, Père. Seigneur éternel, parce que chaque chose a son temps, il est temps, Seigneur éternel, mon Dieu, que notre sœur puisse nous quitter pour aller, Seigneur, se reposer, pour que son corps se repose, Seigneur, dans l'endroit où elle va rester, son corps va rester à ton attente, Seigneur, du dernier jour. C'est pourquoi, Seigneur, parce que toutes les âmes t'appartiennent, nous prions, Seigneur éternel, mon Dieu, toi qui gères toutes les âmes, que l'âme de ta fille, Seigneur, de ta servante, repose entre tes belles mains, Seigneur éternel, mon Dieu. Que son esprit ne soit pas, Seigneur, dans les lieux, Seigneur, de tribulation, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Mais que la paix, Seigneur éternel, soit le partage de son âme. Car l'âme ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Que son esprit et son âme demeurent en paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans une dimension surnaturelle, selon ce que toi tu contrôles. Car c'est toi qui connais où est-ce que tu gardes toutes les âmes, ô Père éternel. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, dans ton grand amour, Seigneur, toi qui as dit, je vous enverrai le consolateur, parce que tu savais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que sans le consolateur, nous serons, Seigneur éternel, dans la tribulation. Et parce que tu n'as pas voulu que la tribulation soit notre partage, nous prions, Seigneur, à ce que tu agisses, Seigneur éternel, dans nos vies, pour nous donner la paix, pour consoler tout mon cœur, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, par rapport à cette séparation définitive, Seigneur éternel, de manière physique, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, personne ne peut accepter ça. Personne, Père. C'est parce que tu es Dieu. Si tu étais condamné, parce que personne ne pourrait te laisser accomplir ce que tu as fait, Seigneur, à nos proches, à nos parents, à nos sœurs, à nos frères. Père éternel, console-nous. Édifie-nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ta paix, Seigneur, inonde nos cœurs, ô mon Dieu, mon roi. Accepte, Seigneur éternel, mon Dieu, l'âme de ta fille entre tes belles mains, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu as décidé d'accomplir au milieu de nous, Seigneur éternel. Tu nous as rassemblés autour de ce corps. Nos âmes sont en train de pleurer, mais nous sommes en train également de réfléchir. Parce qu'il y aura une prochaine fois qu'un autre parmi nous quittera aussi, parce que chacun a son tour. Seigneur, donne-nous, éternel, à marcher devant toi pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Car au-delà de la mort, il y a la vie. Et nous aimerions vivre cette vie dans l'éternité avec toi, Seigneur, ô Père. Soutiens toute la famille. Soutiens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les frères et sœurs. Que ta grâce nous soutienne. Nous nous ressentons dans une faiblesse très immense, Seigneur, et nous avons besoin de ton secours. Seigneur, soutiens-nous, fortifie-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous déclarons la levée de ces corps, Seigneur éternel, jusqu'au cimetière. Conduis-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, que toutes choses soient faites à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Thank you.
Je faste. Attention, attention. La rue de où? Ici, ici. Oui, venez, venez par ici. Laisse-moi passer avant pour qu'on vous filme. Doucement. On passe où? On passe où? Attends, suivez-moi. Attends, c'est pas là-bas. On parle là-bas. À droite. Non, il n'est pas passé en dessous. Non, il est. Vous pouvez. Venez. Je suis les bois, on dépose d'abord, non? On dépose d'abord. On dépose le bois devant. Qui le bois d'abord? Attends, attrapez derrière. Il y a les gens qui peuvent vous passer ici là. Ils vont venir au milieu ici. Il faut arranger bien le bois là. Juste moi.
On peut pousser encore devant. Devant là, il y a la personne. C'est bon. Pousser devant. C'est bon. Ça a dépassé là-bas. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut. Que notre sœur aimait beaucoup. Et lorsque chantait, comme l'a dit notre sœur hier qui l'a témoigné, elle était contente de chanter. Alors, ce matin, pour lui dire au revoir, nous avons ce Jean chapitre 11 qu'on a lu hier, mais le verset 25 qui nous intéresse, où Jésus, qui était en train de répondre à une de ses demandes, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même sur mer. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi vivra même sur une mer. Ça, c'est une promesse que Jésus-Christ nous a fait. Alléluia. Amen. Il a démontré qu'il est passé par la mort et après 3 jours, il est ressuscité. Alléluia. Et c'est comme ça aussi notre sœur. Il dit bien que combien même il serait mort, mais il vivra. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, notre Seigneur nous a précédés. Je pouvais voir encore l'image, l'illustration que le pasteur a donnée hier quand son ami lui disait au revoir ici, on ne le voyait plus et on pouvait le voir de l'autre côté, on dirait bonne arrivée. Alléluia. C'est une séparation. Il est séparé, elle est séparée avec nous, mais dans le ciel, on l'a recueilli. Alléluia. Et nous aussi, au dernier jour, la Bible nous dit qu'il va dans le son de la trompette, c'est les morts d'abord qui vont ressusciter. Alléluia. Et après, nous qui sommes restés vivants, nous allons le rejoindre dans le ciel. Alléluia. Notre sœur, nous savons bien, beaucoup ont témoigné. Peut-être d'autres même n'ont pas pu témoigner, mais il y a beaucoup de choses qu'elle a accomplies. Alléluia. Donc, même si on ne disait pas que son âme repose en paix, elle est en paix. Alléluia. Amen. C'est comme il y a d'autres personnes qui entendent le jour de leur mort, on va leur souhaiter que son âme repose en paix. Bien-aimé, c'est le travail que tu vas faire sur la terre qui va permettre si tu vas reposer en paix ou rien. On peut prier 1000 ans sur ton corps. Bien-aimé, si tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, tu n'as pas accepté Christ, bien-aimé, tu n'auras pas la paix. Mais nous savons, même si on n'a pas souhaité, notre sœur est en paix. Alléluia. Amen. Notre sœur vit en paix. Amen. Dans le ciel, pendant que vous êtes en train de pleurer ici, les anges sont en train de se réjouir là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Que bonne arrivée à notre sœur. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Et la couronne de gloire lui est réservée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous et moi qui sommes restés, c'est le temps maintenant pour nous aussi de réfléchir. Fais comme si tu es en train d'assister à ta propre funéraille. Alléluia. Amen. Demain, ça sera ton tour. Les témoignages qu'on a donnés pour notre sœur, est-ce qu'on donnera aussi ces témoignages pour toi? C'est le temps. Jésus dit, celui qui vit, qui croit en moi, ne mourra pas. Alléluia. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, Jésus dit, et il ne meurt pas, il dit, il dort. Alléluia. Notre sœur est honteuse de dormir. Alléluia. Dans le temps voulu, Jésus va la réveiller. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je voulais vraiment nous encourager, nous qui sommes restés, d'arranger notre vie maintenant. Alléluia. De prendre la décision maintenant de croire en Jésus. Pour que dans le dernier jour, nous puissions nous rencontrer encore dans les airs. Alléluia. Il a dit qu'il est parti préparer des places pour nous.
Et lorsqu'il finira, il viendra nous chercher. Alléluia. Notre sœur déjà a pris sa place déjà. C'est nous maintenant qui restons. Alléluia. Vraiment maintenant, une vie digne de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'on puisse témoigner. Hier, je pouvais entendre quelques témoignages. Vraiment, ça m'a touché. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Le cœur qu'elle avait, c'est le cœur que nous devons aussi avoir. Alléluia. Pour ses enfants qu'elle a vraiment élevés, qu'elle a adoptés, soyez consolés. Alléluia. Notre sœur est dans la bonne main. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous allons prier pour sa dernière demain. Nous allons prier, demander à Dieu de protéger, de garder, de réserver une très belle, meilleure place pour sa servante. Alléluia. Qui a vraiment fait son œuvre, ta grâce que tu nous fais. Ce matin, que nous venons accompagner notre sœur dans sa dernière demeure. Oui, Père, tu as dit tous ceux qui ont vécu, qui ont cru en toi, Papa, ne mourront pas. Ce n'est à la résurrection de mort, elle sera ressuscitée. Elle va nous précéder, Papa. Nous te disons merci, Père, pour le repos de son âme. Nous te disons merci de nous soutenir, pour que nous aussi, Père, nous puissions faire comme elle. Va même plus que elle, Papa. Que ton nom soit béni. De génération en génération, nous avons prié. Amen. 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 Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Oh Seigneur, merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Come on, I am.
sangu ya na yo, niti sangu ya na yo, niti sangu ya na yo, niti sangu Oh,
Qui allait chercher les dalles. Il y a au moins 3 dalles qui va, 4 ou 3 dalles qui va. Non, pas plus venir, on a déjà aussi maintenant. Pas tout le monde, mais il ne faut pas attendre les dalles là pour qu'on ferme, on ferme ici là. Il devait finir pour moi. Et il a dit, il a dit, je suis encore des dalles là, là-bas, et puis il va me dire, le ciment ici. Les ciments sont en train d'être mélangés là-bas. Et puis on met les dalles tout d'abord, là-bas, puis on met le ciment ici. Alors nous voilà ça, là-bas. Ah, voilà. Toute la journée, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et puis, vous l'avez fait. Oui. Vous m'avez fait. Vous m'avez fait. Oui, oui, le cas arrive. Hein? Oui, oui. Le cas arrive. Ouais. Après, elle dit ça. Oui. Vas-y, mon poli. Oui, salut.